Méga ramp. Non, c'est pas une méga ramp. Ah, basketball, pardon. Par Oh. Attendez. Oh, ah. Et bien c'est parti, let's go les gars. On se retrouve les gars pour un NBA 2K. NBA vs RPG. La salle, t'es quel côté? Enfin, Eden, t'es quel côté? Oui, c'est la salle. Du coup, là, je suis du côté avec vous là. Ouais, je suis avec vous là. Salut à tous, c'est Eden. Ok, j'en ai eu un les gars. Ouais, Eden, écoute, t'es bien meilleur que moi. Ça, voilà, sache-le. mais voilà. C'est magnifique, par contre, je kiffe trop. Salut Gats, bonsoir Gats, comment vas-tu Gats? Bonsoir, bah comme d'habitude, très très bien. Waouh, hein. C'est trop, c'est stylé comme activité, je kiffe à mort. C'est très original, ouais. C'est en fait, c'est un basket, voilà, un panier de basket. Je vais essayer de l'avoir, lui. Tu dois faire attention au ballon. Oh là 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 là, j'ai failli faire un carnage. Oh, mais du coup, qui en panier, RPG là, les gars? J'ai fait un panier, moi je suis pas en RPG, non. T'es Aiden, t'es en RPG? Ouais, non, mais on est tous ensemble, les gars, vous forcez trop, my god. Vous voulez pas qu'on soit ensemble? Il s'est fait allumer, on est tous ensemble, on est tous ensemble. Wouah, bah je suis mort, je suis mort de The Waking Marines. Alors la question c'est, me dis pas que je suis derrière en vie. Eden! Oh! Ah, Eden, me dis pas que je suis derrière en vie. Aïe. Tu vas mourir, Anine, je te le dis. Tu vas trop vite! T'es mort, c'est fini. Ouais, c'est waouh! Aïe, c'est pas mal, j'aime beaucoup cette activité. Elle est vraiment fantastique. Mais y a pas l'air d'avoir beaucoup de place par contre. En haut? Ouais. Ouais, mais KV, ils ont réussi à nous tuer quand même. Carnage, il a fait Jaoki. Ils ont réussi à nous tuer, effectivement! Du coup, donc. Ouais. Allez, ça commence. Est-ce que t'as le son ou pas là? Ça dit quoi, Emile là? T'es malade toi. Mais comment ça, je suis malade? Mais t'es complètement malade toi, t'es fou ou quoi? Oui, bah moi j'étais tout seul dans mon. Il s'est approché de moi et il a commencé à venir avec son lance-roquette, enfin, au bout d'un moment, je savais pas comment réagir, c'était difficile. Enfin voilà quoi, c'est. Waouh les gars! Waouh! Oui, c'est pas mal. Regardez où je suis les gars! On peut ramener. Mais attends, mais. Il y a quelqu'un qui a mis une roquette, ça a fait tomber tout le monde. Oh bah alors là, je me suis fait des gom-gom. Ok. Je l'ai touché les gars, je l'ai touché. Eden, t'es complètement fou, tu sais. Oui. Ben écoutez, moi j'étais tranquille en train de dormir. On m'a réveillé. Et voilà quoi, j'aimerais témoigner. Il y a tout le monde sur moi. Au complément d'enquête. Enfin, non, c'est des choses qui arrivent quoi dans. Et dis-nous un peu plus. Alors toi, du coup, t'es youtubeur GTA, c'est ça? Exactement. Je suis youtubeur GTA depuis maintenant quelques années. Et voilà, j'ai pas honte de le dire, je suis peut-être meilleur que la salle, mais voilà, je le connais pas, quoi. La salle et moi, nous avons un contrat, je ne peux pas le dévoiler au grand jour, mais peut-être qu'un jour je le ferai. Ouais. Attends. Et du coup, aujourd'hui, t'as décidé de parler en anonyme. Non, c'est pas moi qui ai volé les baguettes de pain, monsieur, écoutez, non, c'est pas moi, je suis désolé. Aujourd'hui, vous avez décidé de parler en anonyme. Donc, oui, je parle en anonyme. YouTuber Eden Show. Exactement. Qu'est-ce que vous avez à dire? Est-ce que Eden subit une pression s'il ne respecte pas les délais du contrat? Allez, oui, totalement. C'est exactement ça. Si je ne les respecte pas, parce que vous ne savez pas que c'est moi, donc si je ne les respecte pas, effectivement. Donc, tu tombes voilà, comme un... Exactement, je suis tombé. Alors, vous savez pas que c'est moi, mais au moins j'ai ma voix trafiquée. Mais voilà, oui, je suis d'accord avec vous. C'est compliqué dans ce genre d'activité. Je suis désolé, avec des lance-roquettes, on rentre le monde, hein, monsieur, écoutez. Alors, au jour d'aujourd'hui, l'équipe est en train de nous humilier. Oui, totalement, c'est vrai. À la fois avec les RPG et à la fois avec les voitures. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Eh bien, écoutez... J'étais né il y a quelques années, j'étais petit et j'ai voulu avancer dans la vie comme tout le monde, quoi. Enfin, vous savez, c'est vraiment pas facile pour moi et enfin, voilà, quoi, c'est des choses qui sont compliquées à vivre chaque jour. Chaque jour, Aurélien... Ça, j'ai rêvé, tu vois.
Vas-y, vas-y, remets, on va le refaire, vas-y. Vas-y, on le remet, on va le faire, gars. Aujourd'hui, dans complément d'enquête, nous avons suivi Unwin. Unwin, 24 ans et 6 enfants. Il commence à perdre ses dents. Il en a marre. Il aimerait recommencer sa vie. C'est pas facile d'être dernier dans des activités GTA. GTA, jeu qui cumule plusieurs millions d'abonnés. Le 6 sort. Unwin, lui, de son côté, décide de tout quitter pour aller vivre avec sa demoiselle. Momo. Momo. Ah, Momo. Oh là là. Oh, j'en ai eu un, les gars. J'ai tellement rigolé, je suis en train de pleurer. Mais c'est bien que j'en avais eu un dans mon écran. Mais vous êtes complètement... Aujourd'hui, dans complément d'enquête, nous suivons Unwin. Unwin, jeune célibataire qui recherche une gazelle. En fait, Aiden, si t'avais pas percé dans GTA, t'aurais fait des voix off, en fait. Ouais. Ils m'ont humilié, ils m'ont fait un saut de babouin, un wicked. Mais j'ai pas vu. Wow, Mike Mignon. Aujourd'hui, dans complément d'enquête, nous suivons Unwin. Unwin cherche une jeune demoiselle. Je rappelle que le parfum préféré de Unwin, corne de gazelle. Mais les gars, mais attendez, c'est quoi le délire là? Comment c'est qu'on se fait humilier comme ça là? Mais on se fait humilier, on est humilié. Vraiment... Elle est rainée et la rainage de la rainée. Mais les gars, on a Pedro chez nous, ça fait combien de temps il a pas touché une manette, les gars? Nous, mais lui, il est. Les gars, j'ai l'une sur Pedro. Vas-y. Allez. Moi je pense Pedro, elle est dans le thème la blague, elle est pas mal. Moi je pense que Pedro, les gars, il est en train de se LeBron James, à mon avis. Il est en train de se faire LeBron James. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Wow. Est-ce qu'il a mis un 3 points le Pedro? Je pense que Pedro, à mon avis, ouais. Alors, 4v4, est-ce que vous pensez qu'on va gagner? Eh ben déjà, on en a perdu un, donc c'est 4v3. Au moment où tu dis ça. Vous faites confiance à qui, les gars, entre Samo, Scott et Pedro? Samo, j'ai vu dans mon face-to-face, non merci. J'ai vu, oui. Voilà, bah, c'est un 4v2. J'aurais pu miser 1000 balles. Ouais, bah alors là... Bon, Scott, lui, il parle pas, donc c'est un muet, donc là... il va le faire. Mais est-ce que vous connaissez le secret de Scott? Humilié, les gars. Ouais, il a une sacrée voix. C'est Scott, il a un grand secret, les gars. On entre... Waouh, voilà. Les gars, il y a 3-0, il y a 3-0 pour eux. Waouh. C'est-à-dire qu'ils ont gagné en insurgent, en RPG. Ah ouais, c'est chaud, les gars. Par contre, c'est chaud. Waouh. En même temps, les gars, on fait du basket, on est avec Unwin, il fait 1m2. Tu peux rien faire. C'est que Aiden, toi, tu fais 2m50, on m'a dit. Ouais, mais je suis pas loin. C'est ce qu'on m'a dit, chose moi. Du 62, donc ouais. Moi, on m'a dit à la Paris Games Week, quand t'as vu dedans, on pensait que c'était un gorille à dos argenté, mais bon. Ouais, c'est possible. C'est vrai que... Non, en vrai, j'ai une carrure de gorille, en vrai. Mais réellement. Il y a des mecs qui ont eu peur, quoi, je te le dis. Moi, Aiden, la première fois que j'ai revu... J'ai une carrure de gorille, Aline, il le sait, hein. Je me suis dit, waouh, quand je t'ai revu, je me suis dit, ah ouais, t'es un... J'ai une carrure, hein, ouais. T'as un background. T'as une carrure ou une carrière? J'ai une bannière YouTube. Ce type a un background. En tout cas, l'activité est pas mal, moi j'aime bien en vrai, mais... Ouais, c'est original, mais par contre, on se fait vraiment humilier. Bah, ce qui nous montre comme quoi... Alors les gars, faut tirer sur les rampes, je pense. Oh là là. Mais les gars, regardez, Pedro, il s'est suicidé, là, il s'est tiré une roquette sur lui-même. Ok, j'en ai eu un. Ah là, cette fois-ci, les gars, je me laisserai pas avoir. Cette fois-ci... Voilà, je me laisse pas abattre par l'ennemi. Eden, t'es du quel côté? Je sais pas, mais j'en dégomme. Ok, deux victimes, les gars. J'en dégomme, Unwin, hein. Ok, deux victimes. Ok. Là, je crois qu'on en a dégomme pas mal, en vrai. Ok. Tirez, les gars, tirez. Il y en a deux en bas. Et Camille, j'ai fait v'là les kills. Ah ouais? Ah oui. Moi, les gars, de vous à moi, je vais pas faire une belle saison au basket cette année, je pense. Ah. Et bah les gars, je crois qu'on est en train de gagner pour la première fois une... Allez Aiden, je te regarde, impressionne-moi.
Ouah, mais tu fais quoi caché ici, toi? Ah ouais, t'es vraiment un rat, hein. Le rat, ah, non, putain, il t'a tué le rat. Oh, je devais l'atterrissage. Non. Regarde, Gats. Vas-y. Tu la connais, celle-là? Ouais, ah, vas-y, impressionne-moi, là. Fais-moi un move, là, un truc. Okay. Wow, what is this? Et on peut les avoir ou pas en face, vous pensez? Non, c'est trop loin, je pense. Oh, vas-y, l'Anthony. Bon, c'est trop loin, pas les gars. Pas bon, Aline, tu peux me remercier, par contre, si on gagne, vraiment. Bah ouais, parce que là, il est en train de faire un truc. Ok. Technique is technique. Mais dis pas que tous ceux qui sont en bas, c'est toi qui les as tués, là. Si. Oh, le carnage. Ah ouais, Eden, t'es en train de faire un carnage total. Il a tous les kills, je crois. Okay. Oh. Anthony, attention. Oh. Il y en a en face. Wow. Ok, il vient vers nous, tu penses? Attends, regarde, t'es avec moi, Lune. Ouais. Ils reviennent de l'autre côté. Je l'ai, c'est bon. Ok, je l'ai eu. Ok, j'ai eu les deux. Je me suis vas-y, allez, j'ai eu les deux. Et Lune, t'as trop bien joué, ouais. Bah écoutez, les gars, bien joué, j'ai fait un carnage à la fin. Malheureusement, on pourra pas rattraper. Waouh, Lune, 5 et 4. Ok. Et moi, remontadas. Et moi, 0. Bien joué, non, mais franchement, bien joué à. À nous deux, il fallait être là. Ouais, 4 kills et 5 kills pour Eden, bien joué. C'était incroyable, cette Weekend Marines in the West. Waouh. In the West. Alors, les gars, qu'est-ce que t'as dit? Parce qu'il y a mon chat qui me rend fou tout à l'heure, là. Ça dit que... Je pense que je suis mort. Oh la vache, j'ai eu chaud. J'ai eu extrêmement chaud. Heureusement qu'ils m'ont pas vu, les gars. Ouais, non, là, on est mort. Là, je suis mort, il est en train de kiffer sa vie. Il est devant, actuellement. Lui mort. C'est blessé, quoi. Tu pètes ta bière. Ouais, il y en a un chez nous, là. Il tente des trucs, c'est pas mal. Ils m'ont humilié, mais je pense pas qu'on va réussir. Bah, je pense que c'est mort, malheureusement. Chez nous, là, on perd petit à petit. Hein. Ah ouais. Ah ouais. On va, mon avis, on va pas faire long feu. Ouais, là. Ah ouais, en fait, c'est que les Nightshark, ils sont trop. Ils sont pas assez solides. Ouais. Et bah, écoutez, les gars, 4 à 1 pour eux, humiliation totale.